Et bonjour les amis, aujourd'hui réveil très dur, on a passé une nuit de merde, du bruit partout, un mec qui fumait à côté de la fenêtre, enfin bref. Bon, en plus je me suis couché tard après avoir fait le montage de la vidéo. Enfin bref, là on va se lever, on va aller prendre un petit déjeuner quelque part, et on va se barrer d'ici. Et nous voici enfin arrivés au bord du pays du Portugal, au sud-ouest. On est vraiment à la pointe là. Et on est à Ponta de Piedade. Franchement, c'est un cadre magnifique.
La toute première pause, ouais. La petite réserve, là. Oui, mais c'est parce Il fait une chaleur à mourir. Je sais pas comment il fait, mais heureusement qu'on avait prévu les shorts et les t-shirts. Franchement, c'est magnifique après cet endroit. Ah non, on s'en met plein les yeux. Vraiment. Et on vient d'arriver à la plage. On a dû passer par un chemin chelou. Regarde, c'est satisfaisant d'être là. On vient d'arriver à l'appartement qu'on a loué pour le même prix qu'hier. On est dans un cadre magnifique. Donc je disais, pour le même prix qu'hier, hier on avait un boui-boui dégueulasse. Là aujourd'hui, on a carrément un appartement à nous tout seul, avec deux télés, une télé dans le salon. Regarde-moi cette chambre, avec les pétales et tout. La télé, la deuxième télé qu'elle a. Bon, on va pas regarder, mais bon. Pour 30 balles, on a la même. On a une chambre de fou par rapport à hier. Regarde-moi cette salle de bain. Spacieuse. Une porte coulissante. Et cette vue sur la piscine. Ouais, je crois qu'on va aller en profiter après, hein. Allez, on fait un petit tour du village de Péra. Après, cette calée, une bonne heure à la piscine. Thank you.
au Portugal, ils doivent kiffer les maisons blanches et avec des liserés bleus ou jaunes, parce qu'elles sont toutes comme ça en fait. C'est à chaque fois qu'on va quelque part, il y a une maison avec les liserés bleus ou les liserés jaunes. Il doit avoir une signification, je pense. Parce que c'est tout le temps comme ça. Si on a constaté aussi beaucoup de maisons qui sont abandonnées ou de lieux abandonnés. Des fois, tu as des grands hôtels, puis ils sont abandonnés et collés, il y a un truc tout neuf. Tu te dis, pourquoi ils n'ont pas rénové ce truc-là? Franchement, il y a des trucs qui sont magnifiques, mais abandonnés. Là, à 500 mètres de nous, il y a une maison, elle est magnifique, mais elle est toute abandonnée. En fait, ici, c'est le lieu des urbex. Si tu veux te gaver, tu viens ici. Tu vas tout partout au Portugal, on n'a vu que ça, que des trucs abandonnés. Je pense que si vraiment on avait eu le temps, je ferais ça tout le long. Encore abandonné. Encore un exemple, c'est ce truc qui est en train de que tu penses que c'est en construction, c'est abandonné. Ça a été commencé, mais non pas fini. On va comprendre. Pas faute de moyens peut-être dans ce pays, je sais pas. Ça va pour qui? Voilà la fameuse baraque abandonnée. Elle est juste au bord de la route. Là il y a de la place, là je vous le dis. Hein. Il doit y avoir quelque chose, non? Je vais commencer la vidéo. Vidéo terminée aujourd'hui. On était à la Puenta de Pediade. C'était un lieu à Algave qui a été magnifique. Ça, on a été bluffé de cet endroit. Franchement, c'est un lieu qu'on y retournera sûrement. Demain, on va continuer toute la côte d'Algave, là. On va essayer d'aller sur Faro, tout ça. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Laisse-moi en commentaire si ça t'a plu, ce que tu en penses de cette vidéo et de ce que tu... ton soutien, tout simplement. Allez, moi, je reste là, à mon balcon, juste avec cette piscine juste en dessous. Et je te dis à demain. À tous ses amis. Instagram. Tipeee. Allez. Tchuss!